Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, enfin, je vais répondre à vos questions de la vidéo FAQ que j'avais fait il y a déjà un petit moment. J'avais fait le 28 juin, il y a un mois. Donc je vais enfin répondre à vos questions. Je suis désolée d'avoir attendu si longtemps pour le faire, mais bon. Alors, je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Je vais les prendre une par une. Donc, je les ai à l'écran. Allez, je vais commencer. Alors, Sylvette, d'abord. Alors, elle me demande de quel département je suis. Bon, il y en a déjà beaucoup qui le savent. Donc, je suis du Nord, je suis une ch'ti. Voilà. Je suis à côté de Valenciennes. Près de la frontière belge. Et elle me demande également quelles sont mes préférences dans tout ce que je présente. Alors, dans mes préférences, ben, il y a le scrap d'épée coloriage. Voilà. Bon, en ce moment, c'est beaucoup le coloriage, mais c'est les trois loisirs que je préfère le plus. Et ma couleur préférée. Alors ma couleur préférée, on va dire que c'est le. J'en ai deux, c'est le vert et le violet. Voilà. Alors Canel, elle me demande si je pourrais alors vous enseigner les techniques de coloriage et d'aquarelle. Oui, j'essaierai de faire des tutos de temps en temps pour vous apprendre quelques techniques. Donc, je vais m'arranger pour essayer de vous faire ça de temps en temps. Donc, voilà. Pas de souci, Canel. On fera ça. André, alors, depuis combien de temps je fais du diamond painting? Alors, je réfléchis. Ça fait 3 ans, 3-4 ans maintenant que j'en fais du diamond painting. Ouais, c'est ça, 3-4 ans que j'en fais. Et plus, non, plus 3 ans, 3 ans, 3 ans et demi, voilà, que j'en fais. Et bon, et en même temps, je me demande comment ma santé va. Alors, ma santé, bah, ça va. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Voilà. Cette semaine, c'était plutôt comme ça. Là, ça commence à revenir comme ça. Voilà, c'est toujours. Il y a des jours hauts et des jours bas. Voilà. Lunasia. Alors, quelle est la passion que je préfère? Donc, la passion que je préfère, ben, c'est comme je viens de répondre, hein, surtout, bon, ça va être le scrap et le coloriage. Voilà. Ta couleur, de ta couleur. Alors, ma couleur, je viens de le dire, donc c'est le vert et le violet. Et qu'est-ce que je fais des DP que j'ai fait? Alors, il y en a certains qui sont accrochés au mur. Voilà. Ici dans ma pièce et quelques-uns en haut. J'en ai des petits maintenant qui sont mis dans un grand cahier, comment on appelle ça? Vous savez, c'est les grands livres noirs là, que Action a vendus. Donc je les colle dedans. Sinon, les très grands, il y a des très grands qui attendent d'être encadrés, qui pour l'instant sont sur un lit. Voilà. Et elle demande si je pourrais un jour faire un tour de mon atelier. Oui, alors on va attendre qu'il soit bien rangé parce que là en ce moment avec le tri que je suis en train de faire dedans pour vendre tout ce qui ne me sert plus, c'est pas le moment de faire un scrap tour. Mais dès que tout sera bien rangé, promis, j'en referai un. Alors, Christelle, alors elle se pose une question. J'aimerais savoir ce que l'on peut faire des livres qui sont coloriés.
mis à part les encadrés, ben, moi, les livres, je les garde, voilà. Chouchou, donc Chouchou, c'est mon mari. Lui, comme il fait du coloriage mystère, lui, il enlève ses pages à chaque fois et il les met dans un classeur à pochettes. Voilà. Moi, je ne les encadre pas. Je les laisse dans les livres. Je les enlève pas. Donc, je garde les livres tels quels. Parce que bon, ben, surtout quand c'est des très beaux livres, ben, je ne vais pas les découper. Donc, moi, je préfère garder les livres entiers. Donc, c'est voilà. Donc, à part les encadrer, bon, quand on a un dessin qui plaît vraiment beaucoup, oui, on peut en encadrer quelques-uns. Mais moi, ils resteront dans mes livres. Ils resteront tels quels. Je ne vais pas les enlever. Voilà. Ensuite, Frédéric. J'aimerais savoir quand et comment t'es venue l'envie du coloriage. Bah, j'ai toujours colorié depuis très longtemps, depuis petite. J'ai toujours aimé le dessin, le coloriage. C'est vraiment depuis petite. Bon, là, ça fait quelque temps que je m'y suis remis. Mais sinon, j'ai toujours aimé beaucoup, beaucoup colorier, faire du dessin. Donc, je suis déjà d'une famille qui aimait beaucoup dessiner, enfin qui savait très bien dessiner. Donc, c'était dans les gènes, on va pas dire. Voilà, donc c'est depuis toute petite. Claire. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle n'est plus beaucoup présente sur mes vidéos. Oui, là, elle ne me pose pas de questions, mais c'est vrai. Elle me dit que, bon, c'est vrai que je sais que Claire, elle n'aime pas beaucoup le coloriage. Elle n'est pas très intéressée par le coloriage, mais quand il y a du DP sur ma chaîne, elle est là. Elle est présente. Alors, Magali, as-tu un PDF, un tuto, etc., pour faire un rangement ou un présentoir à crayon à couleur en carton? Car j'adore le cartonnage et je me mets au colo. Là, comme ça, j'en ai pas, mais j'ai beaucoup de livres de cartonnage. Donc, il faudrait que je regarde si j'ai quelque chose comme ça dedans. Parce que, bon, moi, j'en ai pas fait. Mais il faudrait que je regarde dans mes bouquins s'il y a quelque chose comme ça pour ranger les crayons de couleur. Voilà. Donc, je regarderai à ça, Magali. As-tu des conseils, inspirations pour des livres à colorier sur le monde marin? Là, comme ça, tout de suite, je ne sais pas. Parce que moi, j'ai pas de livre sur le monde marin. Donc là, je ne vais pas pouvoir te répondre. Du coup, je suis désolée, tes deux questions déjà, je n'arrive pas à te donner une réponse tout de suite. Mais je vais surveiller et si je vois quelque chose, je t'en parlerai. Alors, depuis quand et pourquoi cette passion pour les loisirs créatifs? Alors, ça revient un peu comme j'ai répondu avant, pour le coloriage, j'étais toute petite. Et c'est très jeune aussi, j'ai toujours aimé bricoler avec mes mains. J'ai vraiment fait. Je me rappelle que déjà, même moi, j'ai vécu chez ma grand-mère. Et je me rappelle que même déjà chez elle, je faisais des fleurs avec des collants.
Je faisais des vases avec que je coupais des bouteilles en verre pour en faire des vases. Je faisais des émaux, je faisais plein de choses comme ça. Donc c'est pareil. Depuis très très jeune, j'ai toujours fait des loisirs créatifs. Alors, Ludovic, comment fais-tu pour gérer ton temps avec autant d'activités? Alors, déjà, ben, je ne travaille pas, Ludovic, parce que bon, malheureusement, je suis en invalidité. Donc, ben, j'ai du temps. Je suis toujours chez moi. Et j'ai, par rapport à mes maladies, j'ai aussi beaucoup de difficultés pour faire mon ménage, par exemple, des choses comme ça. Donc, j'ai un mari qui m'aide beaucoup. Pour le ménage, pour les choses comme ça. D'ailleurs, il fait même son repassage à lui. Donc, ça me donne du temps. Et puis, bon, je suis une couche tard aussi. Voilà. Mais comme je ne travaille pas, ben voilà, j'ai du temps. Je suis toujours chez moi. Et puis, il faut quand même que. Malgré mes maladies, il faut toujours que je sois active, il faut toujours que je sois en train de faire quelque chose. Malgré qu'il faudrait que je lève le pied, que je devrais plutôt me reposer. Voilà. Silou. Sachant que tu fais du point de croix, oui. Est-ce que tu ferais des vidéos pour nous faire voir tes ouvrages en cours? C'est prévu. Ça fait un petit moment que j'en parle aussi, donc il faut que je me le note et c'est prévu. Et est-ce que tu as une page Facebook consacrée à ce loisir? Non, j'ai pas de page Facebook consacrée qu'à ce loisir. J'ai une page Facebook qui englobe tous mes loisirs créatifs. C'est pareil, ça s'appelle l'atelier de Didith, hein, c'est facile à retenir. Et donc là, on y retrouve tous mes loisirs créatifs, mais une page en particulier sur mon point de croix, non, j'en ai pas fait. Et bon, je ne pense pas en ouvrir une parce que sinon ça va me faire vraiment beaucoup de pages et puis après il faut les gérer aussi. Parce que bon, sur Facebook, j'ai quand même mon mur personnel. J'ai ma page pour les loisirs créatifs. J'ai une page sur la cuisine. J'ai une page sur mon jardin. J'ai un groupe sur le diamond painting. J'ai un groupe sur le coloriage. J'ai un groupe sur le scrap, mais dont je ne m'occupe pour ainsi dire plus. Il roule tout seul le groupe, malheureusement. Voilà. Donc, ouvrir une page en plus sur le point de croix, non. Pour l'instant, c'est pas l'actualité. Alors, Pascal, j'aimerais savoir si tu vas faire une vidéo pour apprendre à faire du coloriage avec les ombres. Donc ça revient aux premières questions, donc faire des tutos sur le coloriage. Ok, je le note, ce sera donc je vais prévoir des tutos donc dans le coloriage et je vais prévoir donc un tuto sur les ombres. Voilà, il va falloir que je me marque tout ça, hein, les filles. Avec ma mémoire de poisson rouge, vous le savez. Alors, ici, Michel. Alors là, elle marque, c'est du hors-sujet. Ouais, c'est du hors-sujet, mais c'est rien, c'est pas grave. Elle me demande comment ça se passe avec les poules et la voiture du voisin et les travaux. Ben ça se passe, voilà. C'est toujours pareil chez lui. Moi j'ai commencé à mettre comment on appelle ça? Une canisse en bambou. J'ai commencé à mettre ça de son côté pour commencer à me cacher la vue.
de son jardin et de ses poules. Malgré que quand j'ai commencé à mettre ça, ses poules me l'ont bouffé. Donc, bon, ça va, il me l'a remboursé. Et là, je dois aller en acheter pour finir le côté du jardin, mais on n'en trouve plus nulle part. Là, je dois attendre pour finir ce côté-là. Mais bon, ça se passe. Les poules sont toujours là. Alors, toujours Michel. Vois-tu une réelle différence au coloriage avec tes polychromos? Alors oui. Oui. Je vois vraiment une différence avec par rapport à mes Castellarts, mes Brutfühner, mes quoi déjà? Je regarde mes petites étiquettes, je ne sais plus. Mes Prismacolor. Oui, je vois une grande différence quand même avec on mélange des couleurs quand ils sont finis, quand le coloriage est terminé, je le trouve plus brillant. Oui, je trouve une belle différence. Je regrette pas de les avoir achetés. Alors, René. Comment fais-tu pour démarrer plein de projets en même temps et surtout que tu arrives à les finir? Oui, alors ça déjà, c'est mon défaut. C'est vrai que je commence beaucoup de choses en même temps. Ça a toujours été. Et bon, ça va, j'arrive à les finir, hein, plus ou moins dans le temps. Mais bon, j'ai toujours commencé plusieurs projets en même temps. J'arrive pas à me soigner. Pourquoi, je ne sais pas. Mais bon, j'ai toujours démarré donc plusieurs choses en même temps. Voilà, là, bon, j'ai le coloriage qui est commencé, le DP qui est commencé, ma broderie. Et puis voilà, je fais toujours pour le moment, je suis encore en activité. Ouais, je sais que tu travailles. Je suis entre le diamant de painting et l'écolo et j'ai du mal à suivre. Ouais, mais comme tu travailles, bon, ça se comprend aussi. Moi, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, je travaille pas donc. En étant en invalidité, c'est un peu plus facile puisque je suis toujours à la maison. Et elle adore mes vidéos. Merci beaucoup, René. Alors, Maryse. Alors, Maryse m'a mis plusieurs questions. Je dois d'ailleurs même. Hop, voilà, pour avoir toutes les questions, je clique. Alors, penses-tu initier plus tard ta petite fille et petit-fils à la technique coloriage? Aiment-ils déjà colorier? Bah, s'ils me le demandent, pourquoi pas? Faut que ça vienne de toute façon. Ma plus grande, celle qui est au collège, je l'ai vue de temps. Mais c'est par période. Elle est comme moi, elle démarre. Bon, elle a fait beaucoup de choses, elle a fait de la fimo, elle a fait des cartes, elle a fait, bon voilà, elle a fait plusieurs choses. Hein, là-dessus, elle ressemble à sa grand-mère. Et elle fait de temps en temps du coloriage au feutre à alcool chez elle, mais vraiment quand ça lui prend. Voilà. Tiens, la fifi. Mais bon, si c'est eux qui me le demandent, oui, je vais leur apprendre les techniques, mais il faut que ça vienne d'eux. Si ça vient pas d'eux, c'est pas la peine. Mon petit-fils, je ne pense pas qu'il viendra me le demander parce que lui, c'est jeu vidéo. Et la plus petite, bon, elle est encore petite, donc pour l'instant.
Alors, que conseilles-tu comme livre de coloriage et comme crayon pour une débutante, pour une première approche, pas chère et facile? Alors, les crayons que je conseille aux débutants et aux petits budgets, c'est sans aucun doute les Brut Funer. Voilà. Parce que bon, il y a déjà beaucoup de crayons dans la boîte. Il y en a 180, donc ça fait déjà un gros panache de couleurs. Et le budget est pas très cher. C'est dans les 40 euros, suivant Amazon, hein, parce que bon, Amazon, les prix sont pas toujours. Un jour, c'est 39 euros, le lendemain, ça va être 41, ou alors il va y avoir un coupon pour payer encore moins cher. Donc, il faut toujours surveiller hein, sur Amazon. Ce qu'il faut faire, c'est le mettre dans son panier et puis surveiller. Quand on voit que le prix baisse, pouf, il faut commander. mais c'est vrai que c'est les Brut Funer. Et les livres, alors, les livres de coloriage ne seraient pas vraiment en conseiller parce que ça dépend les goûts des personnes. Là, il faudrait que tu reviennes vers moi pour me dire les goûts que tu aimes en coloriage et là, je pourrais peut-être mieux te dire ce que tu pourrais prendre, ce qui pourrait te plaire. Voilà. Mais déjà, les livres que moi, je présente dans les vidéos, ça peut déjà te donner une idée. Donc, ce n'est pas des livres très très chers. Peut-être à part sauf Clara Markova, parce que bon, là, c'est 25, entre 25 et 29 euros. C'est le plus cher que j'ai pour l'instant. Mais voilà. As-tu acquis ta technique par l'expérience? Combien d'années de coloriage? Alors là, il y a plusieurs questions qui ramènent à une réponse. As-tu participé à des ateliers d'artistes? L'expérience, oui, je l'ai eue tout au long de ma vie, puisque je colorie depuis petite. Donc les années, ben, j'ai 57 ans, hein, donc ça fait plus de 40 ans que je fais du coloriage. As-tu participé à des ateliers d'artistes? Alors, des ateliers d'artistes, non, mais quand j'avais, j'ai vu quel âge? 15 ans, 16 ans, je crois. Donc c'est pareil, ça remonte à presque ouais, à 40 ans. J'ai fait les beaux-arts. Voilà, j'ai fait l'école des beaux-arts pendant 3 ans. Donc ça aide. Est-ce que aimerais-tu en faire les ateliers d'artistes? Je sais pas, non. Je sais pas. Je ne saurais pas te répondre. Franchement. Je me suis jamais posé la question. Alors, aimes-tu voir des expositions sur la peinture, le pastel? Alors, j'aimais bien ça avant. J'aimerais bien encore maintenant, hein, puisque avant, avec mes grands-parents, on visitait les musées, donc à Paris surtout, puisqu'on y allait tous les ans à Paris. Donc, on visitait les musées, je voyais les peintres, les tableaux, tout ça. Donc, j'aimais beaucoup. Mais depuis, j'ai pas revu l'exposition. quel est ton peintre préféré? Oh! Pas Picasso, en tout cas. J'aime pas Picasso, c'est toute traviole. Rembrandt, voilà ouais, Rembrandt, et puis chercher le nom,
Oh. Hein, j'ai oublié son nom. Ah zut, ben, j'ai oublié. Désolée. Après, qu'est-ce que tu me demandes? Quel thème et univers préfères-tu dans le coloriage? Alors, j'aime beaucoup les visages, les chevelures. Et en ce moment, j'aime beaucoup le style un peu, on va dire, enfantin. Bah, ça se voit avec les coloriages que j'ai faits, avec les petites souris, avec Clara Markova aussi, c'est un peu enfantin. Voilà, c'est des styles que j'aime bien. Il faut que moi j'ai des personnages que voilà, ça, je ne veux pas. Si c'est un coloriage où il n'y a que des fleurs, que des arbres ou des choses comme ça, non. Voilà, il faut qu'il y ait un être dedans, un personnage, une petite souris, un petit animal. Voilà. Aurais-tu un projet qui te tient à cœur par rapport à tes passions que tu aimerais réaliser si tu pourrais? Maintenant, non, j'ai plus de projet, non, 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 fini. Non, non, maintenant c'est terminé. J'en avais avant, mais là c'est fini, terminé. Donc voilà, j'ai bien répondu à Maryse. Françoise. Je voudrais savoir comment tu t'organises. Ben, ça revient toujours un peu pareil. Pour réaliser toutes tes passions, cartonnage, coloriage, broderie, diamond painting et bien sûr les tâches ménagères, repassage, cuisine, ménage, etc. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, comme je ne travaille pas et que je suis en invalidité, je suis à la maison. H24. Donc, j'ai du temps. Je suis une couche tard, donc j'ai du temps le soir aussi. Et bon, le matin, moi, je me lève, il est 7h30. Donc, Chouchou, il se lève bien avant moi. Et pour les tâches ménagères, donc le ménage. Alors, quand c'est le grand ménage, enfin, grand ménage chez nous, c'est on va faire une pièce à la fois. Hein. On va pas faire toute la maison d'un coup. Hein. Je vous rassure. On va s'attaquer à une pièce comme ça. On se lève au matin, puis on dit, tiens, on va faire une pièce en entier. Donc là, je vais aider Chouchou, bien sûr. Mais le ménage journalier, passer l'aspirateur, laver le sol, c'est Chouchou qui le fait. Sauf s'il est parti faire les courses, moi je passerai l'aspirateur en attendant qu'il revienne. Mais je ne laverai pas le sol parce que avec mon dos, tout ça, je n'y arrive plus. Donc c'est lui qui fait 80% du ménage. Le repassage, alors il fait son repassage. La lessive, moi je mets tout dans la machine, la machine se met en route toute seule, hein, donc c'est pas compliqué. Mais il fait son repassage, ça c'est son choix. Et moi, mon repassage à moi, ben, je repasse si j'ai besoin. Je repasse vraiment si le truc a vraiment besoin d'être passé et que ce jour-là je dois le mettre. Voilà. Parce que du repassage, il faut plus m'en parler. J'en ai tellement fait chez mes patients et tout, parce que j'étais auxiliaire de vie avant. Moi, le repassage, ça me sort par les yeux maintenant. Pourtant, je suis excellente en repassage. Mais ça me sort par les yeux maintenant. Je ne peux plus. Et c'est pareil, de toute façon, le repassage, je ne saurais plus repasser un panier entier, rester debout à repasser, je ne peux plus. Là, déjà, rien qu'à vous faire la vidéo, j'ai le dos qui commence à me chatouiller. La cuisine, bah, là, c'est chacun.
S'il a envie de faire, il fait. Si moi j'ai envie de faire la cuisine, je fais. Donc voilà. Et puis nous, la cuisine, c'est vite fait parce qu'on ne fait qu'un seul repas par jour. C'est le soir. Donc on ne prend pas de petit déjeuner, on ne prend pas de repas à midi. On ne fait qu'un repas le soir. Donc la cuisine, c'est vrai. Voilà. Donc je ne sais pas, tu dis ça m'aiderait. Donc je ne sais pas si j'ai pu t'aider, Françoise, parce que nous, du coup, on a une façon de vivre différente. Parce que moi, Chouchou est à la retraite. Moi, je suis en invalidité à la maison. Donc voilà, on n'a pas la même façon de vivre que tout le monde là. Donc je ne sais pas si j'ai pu t'aider dans mes réponses, Françoise. Alors, Véronique. Alors, ces questions sont sur les poilus et fifilles. Alors, mes questions sont sur tes poilus et comment Fifi est arrivée chez vous. Alors, d'accord. Alors, fifille, ben je l'ai. Alors, quand je l'ai eue, j'étais partie l'acheter chez un particulier qui me l'avait vendu, soi-disant, d'abord pour un Maine Coon. Heureusement que j'ai négocié le prix parce que, bah, du coup, Fifi, vous avez bien vu, c'est pas un vrai Maine Coon, c'est un croisé. C'est un croisé de Chartreux et de Maine Coon. Donc, mais bon, tant pis. Hein. On l'adore, notre Fifi. Donc, voilà comment elle est arrivée à la maison. Les toutous. Jerry, il a été acheté chez des éleveurs. Enfin, chez. Je ne sais pas si j'étais éleveur, mais bon. Des pseudo-éleveurs, on va dire. Mais qui avaient une péniche. Donc, il est né sur une péniche. donc j'avais été, mais ils avaient une maison, donc j'étais à leur maison et j'étais récupérée. C'était le dernier de la portée. C'était lui, ils n'arrivaient pas à le vendre, celui-là. Pourquoi, je n'en sais rien. Et lui, Jerry en plus, 3 semaines, ouais, 3 semaines après que je l'ai eu, il a manqué de mourir. Donc, on a tout fait pour que le vétérinaire fasse ce qu'il faut. Parce que bon, il disait, ben non, il va mourir. Et il me l'a gardé 3 jours et heureusement, il a réussi à le sauver. Il avait attrapé des, je sais plus, c'est un nom de maladie, mais c'est des vers qui se mettent dans les poumons et dans le cœur. Et puis ça l'étouffe. Voilà. Donc, voilà. Donc, Jerry a été sauvé. Et Pacha, lui, vient d'un élevage, d'un vrai élevage de bichons. Donc, on a été chercher chez l'éleveur. Et pour les oiseaux, c'est plutôt chouchou. Alors, les oiseaux, alors oui, il y a alors, les canaris, les perruches et les inséparables, c'est chouchou. Et diamant mandarin, c'est moi. Voilà. Alors, les questions techniques ont été posées. Ta passion, tu aimes le plus. Ben, voilà ce que j'ai dit. Écoutez, vous savez, j'ai dit ma passion le plus, c'est le scrap, le coloriage. Mais il y a une passion que je n'ai pas parlé, c'est le jardinage. Voilà, il y a aussi le jardinage que j'aime beaucoup. Mais voilà, non, c'est le scrap, le coloriage et le jardinage. Voilà. Passion que Chouchou n'aime pas. Pour lui, hein, parce que lui n'aime pas le jardinage. C'est un gars de la ville. Donc, il n'aime pas le jardinage. Donc, voilà, ben, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Donc, j'espère que vous avez eu toutes vos réponses. Donc, je ne sais plus à qui j'ai dit tout à l'heure, Michel, je crois.
crois. Non, pas Michel. Ouais, Maryse. Je répète à Maryse, essaye de regarder les livres que je présente. Reviens sur mes anciennes vidéos, les livres que je présente. Ce sont toujours tous, c'est tous des bons livres. Hein. Si je les choisis, c'est que c'est des bons. Donc, si tu as envie d'en choisir, va voir dans ceux-là. Et par rapport à tes goûts. Voilà. On refera peut-être un FAQ, mais bon, d'ici quelques mois. Alors, on ne va pas en faire un tous les mois, hein, surtout à la vitesse où j'y réponds. Donc voilà, j'espère que mes réponses vous auront satisfaite, que vous aurez eu, vous en connaîtrez un peu plus sur moi, sur mes passions, mais que vous connaissez déjà mes passions de toute façon, puisqu'on en parle assez tous les jours. Maintenant, je vais vous laisser. On va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.